on joue Darahen, on n'a pas envie de qu'il s'approche. Côté de Mufi, on a envie de pouvoir faire tout ce setup tranquillement, tuer tôt. Ah ouais, il va prendre chic. Oh la chic. Il a beaucoup sorti pendant son tournoi, il a battu au code. Donc on va voir qu'est-ce que ça a donné. Pardon, je t'appelle en ligne. Donc voilà, première game, top 8 winner semi. La chic grise de Mufi contre le Darahen bleu de Kimarito. Et on a déjà une phase plutôt ballsy, très stylée, avec un bounce fish. Bon, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Je sais que j'aime pas. Mais c'est quand même assez saucé, il faut le dire, il y avait des grosses couilles. Donc il y a 36%, 31%, phase de ledge trap pour Mufi. On va essayer de choper, on reviendra au terrain normalement. On fera sans trop de risques, on n'est pas trop à 10% encore là. On peut même casser le contre-croix, hein. On a beau être léger, pas assez. On jouera un peu avec l'épée, on gratte le terrain, on garde le terrain du côté de Kima. Pas évident, on en touchera avec ce terre. Oh, on se fera avoir avec lui. On a relâché trop tôt, peur du grab du côté de Mufi. Puis on touche avec le nerf, ça tenait le nerf. On va essayer de toucher le ledge trump. Non, on va rater le ledge trump évidemment. Le der qui touche, pas mauvais ce der. Ça fait deux der de suite là, Mufi. Ils sont plutôt bien trouvés. Ah, on sera protégé pour Kimarito par un retour de bouquin. Et on tournera avec ce shotgun back air, le Dalevin. Dalevin qui était chargé. Donc on fera ce multi-jab, raté, stock de retard. Le Nosferatu qui permettra de gratter 15% facilement. Chance de. Ah, pendant que Alphan. Ouais, ok, on va Alphan. Alphan, qu'on retrouvera contre Pigeon plus tard. Je sais pas si ce sera en stream. On verra bien. Pendant que Kima met un petit avantage là. Un avantage plutôt d'une stock quasiment entière à Mufi. Mais là, il pourra même le tuer sur ça. Je suis très léger. Aïe aïe aïe. Compliqué là pour Chic. Enfin, pour la Chic de Mufi. Ça marche pas extrêmement bien. Très compliqué. Pendant que du coup de Kima, on va stall, hein. On va gagner du temps contre la chute de Mufi. Le der qui touchera et qui ramènera au milieu. On sera tout raté. On a tout fait le père pour tuer, ça va pas suffi. Là, on essaye de bait pour Mufi de trouver un kill, mais c'est très compliqué. On trouvera le kill au neutral bill, la grenade qui prendra la première stock enfin de Kimarito. Là, il y a encore beaucoup de travail à faire du côté de Mufi. Ça va être compliqué. Complicado. Comme disait mon ami hispanique. Qui retourne au tral. On cherche. Ok, on a trouvé la phase du côté de Mufi. On mettra 2 F-tilt. Et tout. On a raté son combo. Fuck chic. Et on attend une lunaire de une réaction de la part de Mufi. Là, on a eu une air, le kill. Ok, ça ne frappe pas. Le der, c'est le même depuis 3 fois. Au moins, il va falloir arrêter. Ok, on n'a pas eu l'air tout de suite de Cooper Camerito, mais on touche. On n'a pas trouvé la position. Frame data de Chic qui prévaudra. Là, dans ce coup-ci. Putain, je suis pas mal veillé, quoi. Bon, on a raté le smash. Là, c'était un peu piffé, on s'attendait à la roll-in. Ok, attention du côté de Kima. Faudrait pas non plus trop faire d'erreur. Là, on a pris un pari. On est en situation de ledge trap. Faudrait pas se faire avoir de Mufi. On va essayer de. Tu mets tout sur Kima, Fesco. Je serais toi, je ferais gaffe. Mufi, hein. Il est bon aujourd'hui. Puis s'il sort sa chic, c'est qu'il est confiant. Peut-être qu'il a envie de tenter les choses aussi. Hein, oh, très bonne rythme de la roll-in qui n'avait pas marché la fois d'avant, mais qui a un succès sans pareil. Et pour l'instant, le pari de Skyflow, il marche. 1-0, t'es ma partie. On verra bien si Mufi changera ou si. S'il continuera et qu'il gagnera avec Chic. Ce qui est moins probable vu qu'il y a 1-0, mais pas impossible. Pourquoi t'es pas là, Skyflow, aujourd'hui, toi? Pourquoi le seigneur du mal n'est pas là? Dis-nous tout. Donc on ira sur Rooftop Run avec Kimarito, musique sympathique. On passera sur le Wario du côté de Mufi. On laissera la chèque de côté.
pour cette deuxième game avec le Wario jaune de Mouki contre le Darren bleu 2 Kimato sur SBF et directement Wario à l'agression. Et ben, faites bon courage Keiko. Faites bon courage. Pendant que on a 6% de côté de Kimareto, petit avantage, bon là on se regarde, c'est le début de la game. On veut trouver l'ouverture avec pour Mouki, on veut trouver les premiers combos. Premiers openings, c'est pour ça qu'on tente rien de spécial, voilà, on faut essayer de triple paire. Hop là, une tout faire, faire. Peut-être même pour aller plus loin avec le nerf. Ben, le nerf. Compliqué hein. Ok, bon, on a arrivé sur 3 levies pour Chomp, ça a pas marché. On a trade. C'est l'avantage de Mouki là, hein. Il faut. Là ça capitalise bien et Kimareto lui qui trouve difficilement les moments où lui il peut espérer. Oh, on a pas tech ça, on se prendra le la dash attack. Le petit ne touchera pas, là on aura la trop, F throw. Puis ils font de l'edge trap, est-ce qu'on va aller chercher? Non on va aller jouer. On va les trap. La grande finale, Neo Chronos Kimareto. Ok. Mais est-ce que tu penses que ce sera Kimareto loser run ou Kimareto winner run? Genre est-ce que là. Est-ce que Kima gagne contre Neo ou pas? C'est la question, selon toi. Ah, donc là, ce qu'on ne tuera pas, on va mettre la bague pour setup. Que nous voilà, là, ensuite, ça va pas tuer. Sur 90% de côté de Kimareto, voilà, déjà attaque pour lire la roll. 20% de côté de Mouffy. Oh non, l'invincibilité. Non, c'est pas l'invincibilité. Comment il a gagné contre l'Arfire? C'est trop nul, l'Arfire, wesh. Pas si fort que ça. Ok, le mid-wap qui était très peu chargé, on était que seulement à 1 minute 42 game, ça n'a pas suffi pour tuer. Bon, j'avoue que le grand one de Wario, là il n'a jamais aussi bien mangé à la cantine. Voilà, le F-Tilt en turnaround qui permettra de tuer 90% du coup de Mouffy. Là, la game s'est totalement inversée, pas du tout pareil qu'avec Classic. Ah, pendant que j'ai le résultat du loser. Kamel a perdu 3-2 contre Nora, contre le perdant de ces deux-là. Ce qui pourrait s'annoncer intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Ok, on ne pourra pas le down smash. Là, le côté de Mouffy, on va peut-être même ravoir bientôt son mid-wap. Hein. Faut faire gaffe du côté de Kima, parce que là, ça devient quasiment impossible de revenir contre un Wario avec autant d'avantages. On va tuer. Ok, je pense qu'il y a eu une mauvaise air dodge du côté de Mouffy là. Ok, on trouvera pas le spike. Oula, on a eu peur que Mouffy, on a buffer ce sub et. Et là, on a bientôt trouvé le setup. Ok, on a toujours pas encore. Je crois que le dernier waft est à 5-20. Là, on n'est pas encore dessus. On y sera bientôt. À 3-50. Ok, le nerf. C'est très dangereux pour Kimareto. On a quand même une stock et demi. De retard. Ouais, c'était clair. Je peux faire le F-Tilt peut-être. Ok, on a pas réussi, on s'est cassé. On a rien fait avec. C'est pas grave. Double F-Tilt, on voit pas le tout frame. Mato qui est vraiment pas bien là. Là, c'est vraiment différent de la game 1. La chic, elle est pas encore en point, mais là, le Wario, il fait peur. Ah, pendant qu'on s'endormit au ledge. Bah petit F-Tilt nature et ça fera 1-1 dans le set 1-1 avec dernier game à l'avantage de Mouffy. On partira sur Kalos du coup. Kalos encore une fois je pense que Wario il mange plus hein. Wario il mange plus sur Kalos hein. Je sais pas, peut-être que Kima il veut vraiment jouer son. Ta distance. Ok, Skyflow, je te laisse à tes. De cette divulgation. Je dois retourner sur Kalos, là je reviens. Ah merde, je suis à l'envers. Ah. Hop là. Donc Kimareto, Mouffy, Kalos. On va voir si le stage va vraiment aider le Darren de. Le Kimareto, oh là je suis vraiment évap aujourd'hui. Le Darren de Kimareto, pendant que là on a 41% du côté de Mouffy, on va trouver le double nerf. Mouffy
Gullner qui va toucher deux fois, le qui va pas toucher lui par contre, la moto qui touchera une fois. On va extend avec la moto, ça va pas suffire. On touche double nerf, double upper. Là du côté de Mouffy, on va essayer de juggle, garder une situation favorable. Peut-être le back air. Ouais. Et là le nerf. Ok, donc on va le river central B, très bien vu. On reviendra rapidement avec la moto, on la jettera, comme ça on pourra la avoir dans une seconde. Baker qui tuera pas, mais il prend une très mauvaise position de Kimarito. Chomp, ça tuera pas. Encore une fois, Kimarito, je crois qu'on a plus de saut. Et on mourira de ce donner. C'était prévisible, malheureusement, il avait plus de saut, plus beaucoup d'options. Et le but d'Aren, bah, pas le meilleur, malheureusement, pour lui. Une petite phase du côté de Mouffy qui mettra à 51%. Là c'est situation inversée. Mouffy qui tuera avec ce... Je suis trop lent pour cette game, je suis beaucoup trop lent pour cette game en fait. Genre je parle de la phase de Darren, de Kima, il se fait reverse, il se fait one shot. Il se fait 0 tout 100. Après j'avoue qu'il a pas eu les meilleures options, mais BO5, on est en winner. Mais oui, du coup c'est pas la dernière game de Kima, super. Il a le temps encore. Mais du coup là, côté de Kimarito, on a une stock entière de retard pour cette game 3. C'est compliqué. Mais je pense vraiment que Kalos, c'est pas le bon choix. Hein. On l'a vu sur la dernière phase, Wario, il y a tous les astres qui sont alignés et bah, il a pu faire sa phase avec son petit upper waft. Donc du coup Kimarito là on va essayer de rattraper, gratter les poissons, trouver la phase très vite. Et on va trouver le multi jab, on va gratter encore, 76 à 42. Back air. Ok, on trouvera pas la moto pour tuer. On va trouver un setup là. Oh, c'était mal space, malheureusement ça touchera pas le ledge. Ok, on trouvera le up air. Faire 76%. Ok, on trouve rien. Oh, attention, ça peut. On avait pas encore le waft. On avait pas encore le waft. Oh, on va peut-être essayer de voir un petit top B là. Okay. Oh, le backer bien trouvé et qui tuera en plus. Et on repartira. 2-1 pour Mouffy. Potentiellement dernière game de winner pour Kima. Il va falloir se ressaisir. Là, le Wario Mouffy. C'est une autre affaire que ça chic quoi. Du coup comme on l'a vu, Kalos vraiment pas. Je sais vraiment pas si c'était une bonne idée. Mais même il y a eu beaucoup de sauts dans les backers de Mouffy. Il y a eu un désavantage du côté de Darren qui était très questionnable. Et une absence de neutral aussi quand même qui plairait au Darren. Là on hésite, on sait pas, on veut go sur l'arène. Ok. Il ne change pas, fidèle à lui-même, le Darren. Le Darren contre le retour du Wario de Mouffy. Et on est de retour chez Kalos, donc il veut toujours expliquer le même plan. Même si bon, même là ça... Même au début de game il s'est fait courir dessus grave, on dirait Speakrom. Côté Kima, on est plus trop dedans là, on est peut-être un peu tilt. Il va falloir revenir, pas se faire trop avoir. Là on est sur 98 à 0, c'est pas favorable là. Ok c'est bon, mais 18, on est en situation de corner. Oh peut-être on va essayer le spike, oh, c'était très ballsy, mais de toute façon plus grand chose à perdre là. Là il aurait pu renverser la vapeur, ça aurait été tout à son avantage. Même s'il a perdu un peu de terrain, c'était pas trop dans son game plan. Ah le donner qui va tuer. À 42% de côté de Mouffy et une stock de retard déjà pour le Darren encore sur Kalos. C'est compliqué, c'est très compliqué là pour le Darren. Il a vraiment beaucoup de mal. J'ai pas mon bouteille moi à côté là. Faut éviter que je meurs de soi. On va l'Arc Fire, est-ce qu'on trouve l'optimal? Non, on a arrêté le grab. Le grab léger du Asanon épée. Ok, on va essayer d'avoir le. Ok, on n'a pas eu le smash, c'était un mauvais timing. On a éliminé la moto entre temps. Donc la moto reviendra dans 12 secondes. Une information cool à avoir, mais pas importante. De l'autre côté, on trouvera le nerf. Ok,
Oh, le multi-duel qui a failli pas connecte quand même. Oh, Food. Food, les 1 an de sub. Ouais. Ouais, Food. Ouais, les 1 an. Let's go. Tant que dans l'avenue, ça chire pour Marvin, du côté de Arno. Je suis au courant. Ah non, le warp. C'est cruel, très cruel. Marito qui semblait reprendre un semblant de momentum et qui s'est fait waft, ça l'a fait très très tôt. Une fille qui n'hésite pas à mettre des petits wafts. C'est, il les trouve plutôt bien et très consistant avec sur ce set en tout cas. Donc bah bien sûr lui. Bien vu. Donc là du côté de Mouffy, on va essayer de trouver une approche pour faire perdre le terrain à Kimarito. Sans trop se faire toucher. Moi je crois que là il est plus en wish punish. Il essaie surtout d'obliger Kimarito à approcher plutôt que lui. Il a pris très bien ce gameplay. Vous voyez, il a pris 0 depuis au moins 10 bonnes secondes là. Sans tout mauvaisement toucher. Mais en même temps le temps joue en sa faveur. Ah, c'est compliqué. Hein. Voilà quoi, trouver la phase, ça tuera pas, mais ça mettra un bon 70%. Oh non, c'était une ride en waft. Ça a pas marché, mais bon, on a quand même un avantage très conséquent du côté de nous, vous pouvez se le permettre. C'était pas idéal, mais oh, on trouvera le DR là, qui tuera pas encore, mais peut-être ce backer là qui ira tuer. Ce DR, ok, on a mix up la Rico du côté de Midaren de Kimarito. Attention, là on est vraiment dans le mal, faut pas faire avoir par ce DR. Le back. Oh, on a Kimarito, c'est très dangereux. On a un coup de partir là. 136%, on peut pas se faire avoir encore. Oh, okay, très bonne mix-up là. On a mis bouquin dans la mâchoire du Wario pour survivre un peu longtemps. Mais jusqu'à quand ça durera? Oh, attention, on a loupé le turnaround. Le backer Fugia Pompe qui touchera, qui tuera malheureusement pas pour Kimarito. Ok, on a essayé d'extend avec la moto. Compliqué là pour Kima, on tuera pas encore. Oh, peut-être ça. Oui, on tuera, c'est bon. 136% à 0. C'est le moment de briller pour Kima. Moment de faire les gros pourcents. 30% déjà. Non, pas sur ça. Elle faut de Mouffy, il faut pas de choke. Il ne faut pas céder la pression. Ah là, on est sur un miracle, mais un miracle qui est en train de se produire. Et là on revient quasiment à even pourcent, c'est incroyable. Il y avait une stock entière de retard, il y a même pas une minute. Et peut-être Kima qui va faire le comeback, hein. Kima le clutch player. Et là avec ce très bon... On va faire attention quand même à pas se prendre un backer. Non, on était sur un très beau comeback du part de Kimarito qui n'a malheureusement pas eu assez de réussite. Mais c'était un très beau comeback, n'empêche, il a donné beaucoup d'espoir et franchement j'y attendais de fou. Après, j'ai fait que des missions à la fin.